Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Alors aujourd'hui, 4 sujets intéressants. Le premier jeu optimisé pour la PS5 Pro pourrait être un jeu Xbox. Vous allez voir, vous allez comprendre, c'est assez marrant et assez logique. On va également parler de Ubisoft, Ubisoft et Tencent. Ubisoft va se faire racheter par Tencent. Pas vraiment, attention, attention. Ceci dit, je vais vous raconter une fable qui pourrait arriver dans l'avenir à Ubisoft. Ah, et je vais également parler de Xbox Recherche, ou Recharge si vous préférez en anglais, qui va entamer une discussion avec les développeurs pour comprendre pourquoi eh bien, les développeurs s'intéressent moins à la console Xbox qu'à la console, par exemple, PlayStation. Je pourrais leur répondre, c'est assez facile, pas besoin de 6 ans d'études là-dessus. Je plaisante, c'est une bonne initiative. Ceci dit, je vais donner, d'après moi, les raisons de cette différence entre Xbox et PlayStation, pourquoi certains développeurs ne s'intéressent pas ou moins à la console Xbox. Et je vais finir sur un financement participatif sur un JDR, un jeu de rôle d'une maison française, Odonata, un nouveau jeu de rôle. J'ai déjà leur premier qui est très intéressant. Ce n'est pas une vidéo promotionnelle, même si effectivement j'ai des connaissances dans la maison d'édition en question. Je trouve que leur jeu est vraiment qualitatif. J'ai acheté le premier, j'ai bien dit j'ai acheté le premier, et le second je vais l'acheter bien entendu, et je vais vous le présenter car je trouve que l'initiative est très intéressante, tout comme leur jeu. Et d'ailleurs ce futur jeu, ce futur JDR est très très plaisant et très intéressant, et il a été testé, non par moi pour l'instant, mais je pense que je vais le tester très très bientôt en bêta version, mais par un ami qui a une très grande connaissance et une très grande critique. Il est très critique sur les JDR et il a beaucoup apprécié. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, la première news. Quel est ce jeu qui va être développé ou plutôt optimisé pour la PS5 Pro? Ce premier jeu. Alors quand je dis premier, c'est exagéré. C'est pas moi qui le dis, hein. D'ailleurs c'est l'article, hein, parce qu'il y a d'autres jeux qui sont optimisés en parallèle, bien évidemment. Mais ça vient de Xbox quand même. Eh bien, c'est Diablo 4. Et oui, Diablo 4 qui va être optimisé spécialement pour la PS5 Pro. Et c'est Rod Ferguson, responsable de la franchise Diablo au sein de Blizzard, qui a confirmé la nouvelle sur X en disant « On m'a souvent posé cette question ces derniers temps et je suis heureux de vous annoncer que Diablo 4 et Vessel of Hatred seront bel et bien améliorés pour la PS5 Pro. Je suis très fier de notre équipe qui a travaillé dur pour y parvenir. Plus de détails à une date ultérieure. » Donc, effectivement, il y a du travail du côté de Xbox également sur la PS5 Pro. Ce qui est intéressant parce que ça veut dire qu'ils ont le kit, entre guillemets. Mais ça veut dire qu'effectivement, plusieurs équipes travaillent sur cette PS5 Pro avant sa sortie, je vous rappelle en novembre, eh bien pour offrir des jeux optimisés. Alors, ce seront essentiellement des jeux qui existent déjà, mais j'espère quand même quelques nouveautés très rapidement. Ubisoft et Tencent, main dans la main, vont-ils racheter l'entreprise? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Selon Bloomberg, la famille Guillemot réfléchirait à plusieurs options sur la société, dont une de sortir de la cote, c'est-à-dire de la bourse si vous préférez, c'est-à-dire racheter toutes les actions eh bien, aux petits porteurs pour détenir totalement l'entreprise, qu'elle soit indépendante de la bourse et de ses variations. Parce qu'actuellement, la cote de l'action Ubisoft a littéralement glissé, on peut même dire qu'elle a pris une piste noire. Elle a pris 30% entre guillemets depuis la nouvelle. Alors comment il ferait ça? Eh bien c'est simple, il rachèterait aux petits porteurs les actions Ubisoft à plus de 40 ou plus de 50% de sa valeur actuelle, c'est la valeur au moment où ils vont faire leur achat, où ils vont faire cette demande. Donc beaucoup vont céder à la tentation, je pense. Actuellement, la famille Guillemot possède 15,4% de Ubisoft et Tencent 10%. Cet accord de 2022, c'est important, prévoit que Tencent ne pourra augmenter sa participation au-delà de 10%, sauf jusqu'en 2030, hein. Sauf si quelqu'un fait une OPA sur Ubisoft. Et ça, c'est important. Si quelqu'un fait une OPA, parce qu'Ubisoft, aujourd'hui, ne vaut plus rien, entre guillemets, plus grand-chose pour 21 000 employés. Attention, c'est une entreprise énorme avec plein de bureaux, en plus avec plein d'immobilier dans le monde, et ça ne vaut que, je crois, un peu plus de 1,5 milliard de dollars. Donc ça ne vaut rien par rapport à d'autres entreprises qui sont bien plus petites. Donc n'importe qui pourrait décider d'une OPA pour acheter cette entreprise pour une bouchée de pain. Sauf que Tencent serait là pour veiller au grain. Alors je vais vous raconter une petite fable qui me fait sourire parce que effectivement Yves Guillemot serait tenté donc d'un accord avec Tencent, un géant chinois qui possède beaucoup d'entreprises et qui a beaucoup de parts dans d'autres entreprises. Attention, attention Yves, je vais te raconter une fable. Si tu ne la connais pas, c'est celle de la grenouille et du scorpion. Une grenouille est sur le bord de la rivière, un scorpion arrive et dit « Aide-moi à traverser, je ne sais pas nager ». La grenouille s'étonne mais dit « Ok, après tout, si jamais tu me piques, tu te noieras et tu mourras aussi ». Le scorpion dit « Tout à fait ». Il commence à traverser et au milieu de la rivière, la grenouille sent une vive piqûre.
Bien entendu, elle s'étonne et sur le point de mourir, elle regarde le scorpion et elle dit « Pourquoi tu as fait ça? Tu vas mourir. » Et le scorpion répond tout simplement « On ne peut pas lutter contre sa nature. » Et donc, si jamais Yves, tu t'allies avec Tencent, Tencent, à un moment donné, aura peut-être envie, effectivement, de dépasser tout ça et de posséder Ubisoft. Alors je me doute que Yves Guillemot n'est pas un agneau avec un loup dans la bergerie, hein. Le loup étant Tencent, c'est-à-dire qu'il va se protéger avec un contrat en béton, mais tout de même. Et dernier point le plus important, est-ce que ça va changer quelque chose? C'est-à-dire qu'effectivement, si Yves Guillemot possède l'entreprise, il pourra faire ce qu'il veut. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'on va vraiment avoir des jeux novateurs? Car c'est ça qui nous intéresse, nous. Ce n'est pas les actions, personnellement, ce n'est pas les actions Ubisoft. La valeur des actions Ubisoft qui m'intéresse, c'est la valeur des jeux. La valeur des jeux qui sont présentés aux joueurs. Des jeux originaux, avec des vraies nouveautés, que Ubisoft retrouve sa prestance d'antan et nous offre des jeux vraiment surprenants. C'est ça qui m'intéresse. Xbox s'intéresse aux développeurs. Il serait temps, je serais tenté de dire. On a eu quelques cas récemment où ce n'était pas terrible quand même, la relation entre Xbox et les développeurs, de certaines maisons d'édition, attention. Donc Xbox Research a comme mission maintenant de parler aux développeurs. C'était une division qui traditionnellement était axée sur l'expérience des joueurs. Mais maintenant, ça va être également la parole envers les développeurs, c'est-à-dire un échange avec les développeurs. Ainsi, Deborah Andersen, principal user researcher chez Xbox, a dit « Nous savons depuis longtemps qu'il y a une lacune. Nous travaillons beaucoup sur les jeux, sur le matériel, sur le dashboard, mais la plupart des systèmes de collecte de commentaires en amont étaient moins formels. Nous utilisons toutes sortes de méthodes en fonction de la question à laquelle nous essayons de répondre. Les méthodes les plus courantes sont les entretiens, la convivialité, les tests de jeux, les enquêtes. Il s'agit du même type d'études que celles que nous réalisons pour tester les jeux, mais pour les outils et les services. Mais cette fois-ci, si vous créez des jeux vidéo, votre avis nous intéresse. Si vous n'êtes pas sur Xbox, nous aimerions savoir pourquoi. Et honnêtement, si vous utilisez les produits de nos concurrents, vous avez probablement un point de vue intéressant dont nous pourrions tirer profit. Alors l'initiative est intéressante, moi je vais répondre ce que je pense là-dessus. Pourquoi finalement certains développeurs ne veulent pas aller chez Xbox, ne veulent pas s'intéresser à l'écosystème Xbox? Premièrement, et c'est évident pour moi, attention, le nombre de consoles vendues actuellement est à peu près de 30 millions. Bien entendu, la PS5, c'est deux fois plus. Mais ça ne suffit pas à tout expliquer, parce qu'après tout, 30 millions de consoles, c'est quand même énorme. Oui, mais il y a le Game Pass avec, n'oublions pas. Le Game Pass plus la console, beaucoup de joueurs qui ont acheté la console ne s'intéressent qu'au Game Pass. Pas tous, loin de là. Mais même si c'est la moitié qui n'ont que le Game Pass et qui se contentent du Game Pass, n'achètent plus de jeux à l'extérieur, eh bien si c'est la moitié, ça profile quand même une sacrée réduction en termes de possibilités de vente. Donc certains s'interrogent, est-ce que je vais vraiment vendre mon jeu? Parce que bien entendu, s'il y a 15 millions par exemple d'utilisateurs potentiels de Xbox qui pourraient acheter votre jeu, tous n'ont pas les mêmes goûts, on le sait. Certains préfèrent les jeux de sport, du multijoueur, du JDR, certains préfèrent bien entendu les From Software ou l'équivalent, les Souls-like. Donc ça catégorise. Et donc si vous catégorisez, ça devient de plus en plus difficile d'en tirer profit. Ça c'est le premier point. Second point, on pourrait dire la Xbox Series S. J'adore la Xbox Series S, je l'ai toujours défendue. Je trouve qu'elle est intéressante pour le prix. Attention, pour le prix, elle est intéressante. C'est une première approche qui permet à des faibles salaires de s'offrir finalement une console et pourquoi pas le Game Pass avec. Oui, mais toujours pareil. Difficulté de programmation pour certains dessus. On l'a vu avec Larian Studio, Baldur's Gate 3 par exemple, également Black Myth Wukong, Game Science et d'autres jeux. Et donc ça peut être une épine dans le pied. Et je suis certain, et je vous le dis et je vous l'annonce, que dans le futur, il n'y aura plus de Xbox Series S. Il n'y aura plus deux consoles de ce type aussi différentes. Il y aura peut-être une console cloud, attention, un petit peu comme le stick d'Amazon, et une console puissante, mais certainement pas deux types de consoles aussi distantes en termes de puissance et en termes de prix. Je pense que les développeurs vont également répondre « On veut plus de support de votre part !» Et oui, ça me paraît évident, pas assez de support de la part de Xbox. On l'a vu assez récemment avec certains studios qui n'avaient même pas la réponse au bout de 2 mois parce qu'ils voulaient passer leur jeu sur la Xbox Series X et S et n'avaient toujours pas de réponse. Pas de marketing non plus, on peut se poser des questions. Regardez, même dans les studios internes, Ninja Theory, Hellblade 2, qu'est-ce qu'on a eu finalement comme pub sur ce jeu? Très très peu, pas assez. Donc effectivement, il faut intensifier également le marketing lorsque vous accueillez des développeurs et leurs jeux. Peut-être qu'il faut faire un petit peu plus de pub autour. Et pour finir, je dirais que la réponse ultime, si j'étais développeur de jeu, je dirais tout simplement, écoute, Xbox, tu sors en même temps sur les consoles et sur PC tes jeux, pourquoi tu ne fais pas une console qui soit finalement tout simplement un PC? Un PC avec un Windows très light,
C'est déjà le cas, entre guillemets. Bien entendu que le système d'exploitation de Xbox se rapproche quand même du PC, de DirectX par exemple. Mais peut-être pas assez, ça veut dire que les développeurs doivent passer par le kit de développement. Ce qui serait intéressant pour les développeurs, c'est que d'un simple clic, eh bien, le jeu soit transféré du PC sur la console, qu'il n'y a rien à faire. En termes d'optimisation, vous allez dire, on va perdre. C'est vrai, on va peut-être perdre parce que c'est un écosystème fermé normalement. La console, oui, on va un petit peu perdre, mais si vous regardez bien, les APU d'aujourd'hui se rapprochent très très fortement des GPU AMD, RX 6000, RX 7000, RX 8000. Et donc la question est légitime de se dire pourquoi finalement, alors qu'on a des CPU et des GPU AMD à l'intérieur de la console, on a besoin d'un kit particulier. Tout ça, ça va être bien entendu mis sur la table pour la future console. Nous verrons ce qui va en ressortir de tout ça et si Xbox prend et écoute effectivement les développeurs pour ses futures générations de consoles, mais également l'écosystème en entier. Allez, on va parler de ce financement participatif qui me tient à cœur, effectivement parce que ce sont des amis, mais également parce que les jeux en question sont très très bons. En tout cas, le premier que j'ai acheté était très très bon. Je vous l'ai présenté déjà. Attention, je l'ai acheté, ce n'est donc pas une vidéo promotionnelle dans le sens où, effectivement, j'aurais reçu le jeu gratuitement. Non, je l'ai payé et le prochain, Les Gardiens de l'Éther dont je vais vous parler, je vais le payer également. Je vais participer au financement participatif. Bien entendu, c'est quand même des amis, donc c'est pas promotionnel, mais il y a un petit aspect quand même cœur qui y est. Mais ils font du très très bon travail. La qualité des livres est exemplaire. Je vais vous présenter par exemple Sapinka. Sapinka, il y a plusieurs tomes. Je vais vous présenter le livre de base. C'est un livre qui est à 50 euros. Bien entendu, c'est assez cher, mais tous les JDR, tous les livres de base de JDR, c'est ce prix-là. Même Donjons et Dragons, DD5, le célèbre DD5 qui est tiré à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, est à ce prix-là. Donc quand c'est une petite maison d'édition qui fait l'effort, parce que c'est quelques centaines d'exemplaires, vous imaginez, c'est méritant. D'autant plus qu'à l'intérieur, excusez-moi, c'est entièrement illustré, c'est très très bien fait, les pages sont de qualité. Donc voilà, donc il ne faut pas hésiter, ça par un cas, c'est également un très très bon JDR, qui en plus reprend des bases historiques, donc sur les Incas, sauf que les Espagnols n'ont pas gagné la guerre contre les Incas. Il y a une espèce d'alliance assez étrange, et bien entendu, il y a beaucoup de magie tout autour de ça, la magie Inca. Mais je ne vais pas parler de ce jeu-là, je vais parler du financement participatif, c'est-à-dire Les Gardiens de l'Éther. Les Gardiens de l'Éther, c'est quoi? C'est un JDR de Space Fantasy chamanique, et oui, rien que ça. Alors je vais prendre un article dans Sci-Fi Universe qui a été écrit par Guillaume, un ami qui a testé, donc Guillaume qui est maître de jeu, qui a testé le jeu, qui a joué des parties et qui a beaucoup aimé. Et je sais que Guillaume est critique, ô combien critique envers les JDR. Et donc s'il a aimé, c'est qu'il est sincère, c'est qu'il a vraiment apprécié. Donc, il écrit, alors je prends qu'une petite partie, je mettrai également l'article dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir le descriptif, et ensuite, si ça vous plaît, allez bien entendu participer au financement participatif, ça me fera extrêmement plaisir, et ça fera plaisir également, bien entendu, eh bien, à Odonata qui en a bien besoin. C'est un jeu original à mi-chemin entre le jeu de plateau et le jeu narratif, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez aussi une petite partie jeu de plateau. Les personnages sont définis par des agrégats, des caractéristiques qui déterminent leur prouesse physique, mentale, ainsi que leur sens et leur charisme, classique. Elles sont représentées par des dés à 4, 6 et 8 faces. Quand ils veulent résoudre une action, ils doivent battre la difficulté qui est un dé à 4, 6, 8, 10 ou 12 faces. Difficulté variable en fonction de ce que vous voulez faire. Vous lancez les 2 dés, il faut que le dé du personnage fasse plus que celui de la difficulté. Alors bien entendu, tout ça va être modifié avec les pouvoirs des chamans, avec vos pouvoirs. C'est-à-dire que vous n'allez pas lancer un dé 6 et n'avoir que 6 par exemple, vous allez avoir bien entendu des bonus potentiels. L'autre originalité, soulignée par Guillaume, c'est un plateau de jeu est mis en place pour le combat avec des pions pour représenter les joueurs. Des cases pour montrer leur localisation. Ainsi on peut localiser où sont les joueurs. Et surtout, ils ont un plateau de combat qui est présent devant eux. Vous le voyez sur l'image, hein, tout en bas, vous voyez le plateau pour les joueurs, le plateau de joueurs. Et ça permet de programmer son tour de jeu et ses actions. Ainsi, chacun va programmer qu'est-ce qu'il va faire et quand il va le faire par rapport au MJ. Et donc, tout va se déclencher, eh bien, un petit peu comme l'initiative avec des D5. Donc, écoutez, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Parce que bien entendu, il y a des vidéos qui vont présenter le jeu. Le financement participatif démarre le 8 octobre et finit, je crois, le 8 novembre. Faudra pas hésiter à aller voir la vidéo, mais je vous promets que déjà avec Sapinka, j'étais très surpris et très intéressé et très intrigué par leur travail, qui est de qualité. Donc ce jeu, Les Gardiens de l'Éther, me fait vraiment de l'œil, et bien entendu, je vais y participer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé. Je précise que vous pouvez faire jouer, bien entendu, des enfants, la famille, il suffit un petit peu d'alléger les règles, mais visiblement les règles sont assez light,
Je précise également, c'est dans un monde où il y a trois niveaux, c'est-à-dire qu'il y a trois plans qui se superposent, et c'est un monde de science-fiction, donc il y a de la technologie. En fait, si vous préférez, c'est un petit peu l'ancien monde contre le nouveau monde, un petit peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire les croyances, les chamans en l'occurrence, qui possèdent de la magie face à la montée de la technologie. Et bien entendu, les technologues ne s'intéressent plus du tout aux chamans, et finalement les croyances se perdent petit à petit face à la technologie. Et vous allez avoir comme rôle de défendre les chamans face à la technologie montante. Donc c'est un monde où on pourra voyager de planète en planète, si j'ai bien compris. Il y aura vraiment de la science très avancée face à la magie des chamans. Voilà, vous savez tout, ou presque. N'hésitez pas à aller regarder, je vous répète. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, un pouce, un commentaire. Et bien entendu, un abonnement. J'ai eu beaucoup d'abonnements sur mes dernières vidéos, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et bien on va continuer comme ça. Allez, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.